Salut tout le monde, salut, j'espère que vous allez bien, coucou à tout le monde, bon week-end, bon vendredi à vous, je crois que nous avons tous chaud aujourd'hui, petit souci, mon setup a décidé de me dire d'aller me faire voir, voilà, mon activité feed me dit d'aller me faire cuire le cul, ma deuxième caméra me dit de m'asseoir sur mon pouce, donc bon, écoutez, on va... Je comprends pas. Pourtant, tout est lancé. Tout a l'air de fonctionner. Elle me dit qu'elle est connectée, mais rien ne s'affiche. Alors, j'ai switché de caméra. Ça devrait le faire pour aujourd'hui. Mais je trouve ça bizarre. Écoutez, on éteindra le PC ce soir et puis on verra ce que demain nous dit. Demain est un autre jour, comme on dit. Est-ce que ça marche au moins? J'ai fait la configuration. Oui, ça fonctionne. Ça disparaît. Ok. Bon, écoutez, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne semaine. On est en week-end. Je le suis depuis quelques instants. J'ai quitté l'ordinateur du boulot et je me suis empressé de lancer ce stream qui a du mal à vouloir se lancer, semble-t-il. Voilà. Je pense qu'il fait un peu chaud. Pourtant, j'ai pas allumé le PC de la journée, donc c'est bizarre qu'il est chaud, mais... Bon, on va essayer merder non plus par... Ouais. J'aime bien le bip, il est reconnu, on va tester vite fait. Ok, ça refonctionne. Je sais pas pourquoi, ça voulait pas. J'ai essayé pendant 20 minutes et ça n'a pas voulu fonctionner. Donc, je pense que mon ordinateur est réellement possédé par les esprits. Mais je pense surtout que c'est pour ne pas donner raison, je pense, à Fab de Recalbox qui a eu la sympathie de dire que ma configuration était meilleure que la sienne. C'est bien gentil, Fabrice. Mais c'est pas vrai, tu vois. J'ai une configuration en mousse. Donc, on en est là. Donc, quoi de beau. J'ai fait quelques commandes. J'ai pété mon PEL ces 2-3 derniers jours pour vous préparer du nouveau contenu sur des live bricolage. On devrait enfin modder la Neo Geo Pocket Color d'ici le mois d'août et le mois de septembre. D'ici la rentrée, j'ai commandé ce qu'il me manquait, c'est-à-dire un écran IPS et un Everdrive. J'ai fini craqué, j'espérais qu'un créateur nous sorte un Everdrive. Comment dire? Un Everdrive moderne avec... J'ai peur, attendez. Voilà. Ah. C'est bon, ça fonctionne. Ouf, j'ai eu peur. Donc oui, pardon. Donc une sorte d'un Everdrive avec une flash card où on puisse mettre le full set, mais pour l'instant ce ne semble pas être possible. Donc en attendant, on va passer avec un flash master qui est donc un Everdrive qui fonctionne avec une mémoire flash. Et on peut y mettre jusqu'à 2 jeux dessus. Donc c'est ça. Ça fera le café en attendant d'avoir mieux. De toute façon, ça n'existe pas. On va s'ouvrir Twitch dans un coin pour sûr de voir quelque chose. Ça a l'air de fonctionner. On va s'ouvrir Twitch quand même dans un coin. Alors, hop. Histoire de vérifier que je sois pas en train de parler tout seul face à mon ordinateur. Ce qui me changerait pas beaucoup, hein, qu'on se le dise. Mais ça a l'air de fonctionner. Il y a de la pub. Pourtant, j'ai désactivé la pub. Et le chat vient nous rendre visite. Salut la mémère. Ça va mon petit chat? Bonjour le chat. Ben oui, écoute-toi. Tu veux dire bonjour aux gens? Non, tu dis pas bonjour aux gens? Tu restes là? Tu parles au micro, elle chante. Miaou.
Oui, c'est moi qui parlais. Merde. Oh, oses-tu parler ma langue? Elle me fait un petit... Attends, hop. Noni! Eh oui, mais te frotte pas au micro, mon chat, c'est chiant. Enfin, pas pour moi, mais pour eux, oui. Donc je disais donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se prendre, premièrement, un peu de temps pour monter ça, qui est donc le kit de LED pour le Lego The Office. Je pense que ça devrait nous prendre une petite heure. Et on enchaînera, si on a le temps, avec la réparation de la manette... de la manette Abido avec le changement de stick. J'ai reçu des sticks qui sont de la marque Abido, vendus par le truc, légèrement plus foncé. Tu vas pas te mettre là, merci. Voilà, tu libéré l'espace, c'est pas pour que tu t'y mettes. Voilà, une petite feuille de papier, le piège à chat parfait, la petite feuille de papier. Si tu veux que ton chat voilà, sombre dessus, c'est ce qu'il faut. Mais oui, donc j'ai pris le stick d'Aibido et on aurait réparé ça. Donc, quoi de neuf? On va être ensemble tout le mois d'août, de façon régulière, tous les vendredis et les dimanches. Ça a l'air de bien marcher comme horaire. On va continuer du Zelda, on va continuer du Recalbox, on va préparer. Alors j'ai commandé de quoi faire mon Recalbox arcade avec un Raspberry, avec la baisse de prix. Si vous ne le savez pas, mais il y a une baisse de prix sur les Raspberry 4 qui ont perdu 4€. Toujours ce prix, hein. Vous pouvez les trouver sur Kubi. Moi j'en ai commandé en France qui devrait du coup arriver en octobre. Je fais des astuces et j'ai pris une carte SD et je me ferai un Raspberry full SD sur la JAMA. Donc ça devrait arriver en même temps que la carte JAMA. Ce sera pour ma borne. Puis on va continuer tout un tas de petits trucs, des modifications, des trucs comme ça. Je devrais également recevoir, je vous ferai une petite démonstration, je devrais recevoir le Forever 64 ou le Forever 64, voilà. Forever 64, qui est une carte mémoire 64, mais utilisant une puce flash et non pas une pile comme les cartes mémoire originales. Donc la différence, c'est que si vous avez une pile et que si la pile meurt, vous perdez vos sauvegardes là. C'est stocké en flash dans la puce, donc tant que la puce est ok, vous gardez vos sauvegardes. J'ai trouvé l'idée pas mal, ça coûte une quarantaine de balles, donc je n'avais pas de carte mémoire pour la 64. J'étais bloqué sur certains jeux, donc je lui dis tant qu'à faire, autant prendre ça. Et comme vous pouvez le voir, je suis fortement déshydraté. Et si on s'y mettait ? Hein, on bascule dessus, on bascule sur le truc. Donc on va d'abord faire un unboxing et à rang suivant on va commencer à démonter le truc. J'ai le kit qui est juste là, je l'amènerai juste après. Donc on switch sur la scène de craft. Que nous voilà, les petites mains, c'est bon, tout fonctionne. Alors là j'ai un moins grand angle d'écran avec cette caméra. Mais bon, ça suffira pour le kit. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va gagner un peu de place en enlevant ceci. Et on va se faire le petit unboxing des familles. Virer la souris du boulot. Pas besoin de tout aujourd'hui. J'ai plus besoin de tout aujourd'hui. Rentre chez ta mère. Et on va commencer l'unboxing de ce joli truc. Alors, j'espère que ce sera un peu moins brillant après. On va se le mettre là pour l'instant pour éviter les reflets. Petit putain, voilà, on va sortir le scalpel pour démonter. On va faire ça proprement. Voilà, petit plastique, petit moment. Écoute, ok, putain. Ok, c'est une boîte bien, bien lustrée. Ah si, attendez, c'est ça que je voulais vous montrer. On va ranger ça maintenant. Pour les amateurs de Game Gear, un nouveau jeu est disponible. C'est un jeu qui était sorti normalement sur la Game Gear Micro, je crois. C'est Aleste 3. Regardez, on fait ça vite fait. Et ils l'ont rippé.
Donc il est maintenant disponible sur toutes les personnes qui ont eu un Everdrive pour la Game Gear. Il est non sans défaut parce que c'est un jeu qui avait été fait pour la Game Gear, mais pour la Game Gear émulée. Donc il y a quelques ralentissements sur le hardware d'origine. Mais c'est une beauté. Regardez-moi. Voir ça, alors on va passer en. Lancer le jeu, normalement. Lancer le jeu, il doit se lancer directement. Si j'éteins ça. Regardez-moi cette beauté de jeu. On va prendre en main. Et donc c'est du shoot 'em up, hein, on ne peut plus basique, mais c'est très très cool de voir une nouveauté sur Game Gear, quoi. Et ça tourne super bien. Alors quand je dis quand il y a un peu trop d'éléments, ça va laguer un peu, mais c'est pas grave, ça rend le jeu un peu plus facile. Je suis pas à mon plein potentiel, donc je regarde également ce que vous me dites. Ah, il y a quelques petits lags. Hein. Mais c'est cool d'avoir un jeu sur la Game Gear, quoi. Ça pète dans tous les sens. C'est très joli, je trouve le design assez cool, c'est super coloré. Alors, allez jusqu'au premier boss. Ça part en tous les sens. Là, c'est pas mal, c'est un peu à tête chercheuse. Ça lagouille un peu sur la fin. Je ne sais plus où je suis. Il y a du power-up en veux-tu en voilà, hein. C'est super généreux. Me font un peu penser à Tortue Ninja. Ouais. Le premier boss assez pété quand même. Ouais. Mais il s'éclate en parlant. Hein. Donc on va éviter ça. Ouais. Et voilà, premier stage. Et donc voilà, c'est Aleste 3 sur Game Gear. C'est classe, non? J'aime beaucoup l'intro du stage 2, là, regardez. Super beau. Allez. Nous disions donc... On met dans la lumière. On était sur du Lego. Donc on va ouvrir ça. Il y a un scotch là. On devrait attendre. Hop, hop. Ouais, c'est bon. Hop, c'est ouvert.
Alors. Ok, on a le guide d'utilisateur. On a un sachet et la boîte, on s'en fout. On va se la poser là. Bon, un coup. Alors. Deux sachets, ça. Oh, ça a l'air d'être assez léger quand même. Peut-être pas mettre une heure dessus s'il faut. Le mode d'emploi qui est là. Le tout sous la petite. Enfin, sous la surveillance de Madame le chat. Ouais. C'est un guide standard, pas réellement adapté à celui-là. Donc on va s'en foutre. Et on va plutôt aller. Attends. On va plutôt aller chercher. Ouais, ok. C'est un truc que j'avais reproché. Je crois que je leur ai déjà pris un kit à eux. Alors c'est bien d'avoir mis le QR pour le mode d'emploi, mais c'est quoi l'URL? Parce qu'on n'est pas tout sur téléphone portable. Donc là, on a le boîtier. Pour les pipiles, c'est mieux. Et là, on a les LED. Oh, ça va aller vite, j'ai l'impression. Donc ça va aller vite. On prend pas de Zelda aujourd'hui parce que la Switch n'est pas branchée dans le bureau. Alors, on va s'ouvrir une URL avec le kit. Alors c'est Yabrik, la marque. Yabrik, ok. Et leur modèle, salut le chat. C'est le 21336. Destruction. Ah! 21336. C'est pour toi, chat. Ok, on a le PDF qui est juste là. Le chat qui passe. Alors d'abord, on va vérifier que cela fonctionne, bien évidemment. Alors. On va mettre des piles là-dedans. Alors, c'est trois petites piles. Trois grosses piles, je sais pas. Trois grosses piles. Ok. Alors, tout fonctionne. Ça marche. Ok, ça fonctionne. Ça fonctionne même bien. Ce que l'on va faire du coup, c'est qu'on va aller chercher le kit de Lego qui se trouve ici. Le kit de Lego que nous voilà. Le set, donc on sommes donc sur le set de The Office. Alors, ce qu'ils nous disent en premier, c'est. Alors, c'est de retirer. Ça. On va virer ce jeune monsieur. On va utiliser ça.
Allez. Ok. Ok. Alors, on a viré la commode, on a viré ça. Ils me disent de virer également la chaise. Je ne m'abuse. Alors, une fois sur le bureau, d'avoir OBS qui vient de se fermer tout seul comme ça. Oui. Ah oui, oui, complètement. Tout va bien. Je crois que aujourd'hui c'est pas mon jour. Eh bien merci pour le raid avec Amandris, t'arrives pile pour le moment parce que le live est planté, donc j'ai OBS qui s'est fermé, c'est même pas un message dehors, il a dit bon bah ciao, je ferme. Je disais donc on va virer les personnages. Je crois que mon PC est pas d'accord aujourd'hui. Rien voulait se lancer. Je suis désolé. Je suis désolé, mais ouais, rien n'a voulu se lancer. Ah ben voilà, tu vois, ça, le raid est là. Merci pour le raid. Yay! Merci beaucoup. Mais c'est... Coucou papy! J'ai une journée de merde. Je vous dis, j'ai une journée de merde. Pas grave, hein. Mais voilà. Ok, ils font l'est lampe là. Et j'y mène celle-là également. Et à ce niveau-là, on a le bureau. Il faut enlever. Il faut enlever. Ça. Le clavier, j'ai l'impression. Et salut! Ah ouais, ouais, là. Et salut, la grosse merde de taf. Pas cool. Mais bon, écoute, c'est vendredi, la semaine est terminée. Puis, comme je disais, j'arrive, je lance mon setup. Là, j'ai une partie de mes modules qui veulent pas se lancer. J'ai ma Zwimcam qui m'a dit fuck you. Mais oui, j'ai changé le chat visible à l'écran. C'est moins pixelisé en effet. J'utilise le chat de Botrix. J'utilise le chat de Botrix qui permet de récupérer les gens de partout. Parce donc on est en live sur Kick et sur Twitch. Ça va le chat, tu fais ta belle. Elle fait sa petite belle là. Donc ça permet de récupérer un peu tout. Et ça permet de voir que tout le monde parle ensemble. Alors, on a enlevé les deux lampes, ok, ça c'est compris. Ils me disent. Donc, on va défaire un peu les fils. Et je suis bien content d'être en week-end, va. Il fait une chaleur en plus. Exactement, sur Kick, TikTok, YouTube, Twitch, même un autre truc qui s'appelle le Silk ou un truc comme ça, enfin un truc, je sais même pas qui faisait des streams. Et genre là, on voit ce que t'écris. Et en plus, ça te dit que tu es sur Kick. Alors, on a... Mais oui. Oh, mais tu fais une connerie, toi. On va tout pousser le téléphone, pas t'emmerder. Oh, ils disent. Ah, il fallait laisser. Non. Ok, il faut mettre celui-là
là. Alors, comme ça. Alors, je ne sais pas. Je ne sais pas, mais au moins vous avez tout à l'écran au pire des cas. Donc on met celui-là là. Et il dit de faire passer le reste. Ok, il fallait virer les choses là aussi. Il m'affiche le truc maintenant, lui, pas de soucis. Vas-y, le chat, si je te dérange, hein. Ça, c'est un fil, en fait, tu fais pas ça avec tes pattes, merci. Voilà, on va bloquer les câbles comme ça avec les chaises. Ça, ça m'embêtera plus. Alors. Y'a rien sur Kick. Ouais, bah ouais. Bon, peut-être. Je sais pas. Mais au moins vous avez. Au moins vous avez tout à l'écran, c'est déjà ça. Au moins vous avez tout à l'écran, j'aurais essayé. Ok, et il faut faire passer la fil sous le mur, en soulevant délicatement le mur et en le rebaissant. Ok. D'accord. Ok, les câbles c'est bon. Donc de ce côté-là, on fait passer derrière le meuble que l'on remplace. Il l'a mis dessous, dessous. Alors, on va faire comme ça. Mais, hop là. On est pas mal du tout là. Alors, on remet ce truc là. Et on tire là. C'est quoi ça? C'est quoi cette patte, le chat? Tu touches pas, hein? Tu crois que je t'ai pas vu? Ok, il faut le tirer jusque là et il le fait passer le long du clavier. Il l'enroule. Non, il l'enroule autour de la, hop, de la lampe. Il vire ça. Alors, est-ce que ça va? Ça va marcher. Est-ce que ça va marcher? Est-ce que ça va accepter de se clipser? Ça se clipse pas? Oui, bah alors si ça se clipse pas, ça va pas marcher, les gars. À moins que. Ok, maintenant, faut, en fait, j'utilise l'arrière. Salut, Jonathan! Ou je devrais dire. Hey yo, Jonathan! Comment ça va? Comment tu vas, Jonah? On va faire un petit truc comme ça. Alors. Le bien avec ce genre de truc, c'est qu'il faut être précautionneux, ce que je ne suis pas toujours. Énormément. Et oui. Alors, on va mettre. C'est qu'on avait mis là. On va mettre une chaise vide. Comment tu t'es bien amusé sur Spider-Man, Jonah? Je cherche le clavier. Merci le clavier. Christian clavier, bien sûr. Ok. Écoute, ça va beaucoup mieux maintenant que je suis en week-end. On s'est fait déjà un petit plantage à partir de 2 minutes de live. Une semaine de boulot pourri. On est en sous-effectif vu que c'est les vacances.
Mais un nouveau jeu Game Gear est disponible sur les Game Gear, et ça c'est bien. Dieu bénisse 2023 et la Game Gear. Oui, je dis Game Gear. Et comme je disais, le plantage était là aussi pour montrer à Fabrice de Recalbox que ma config n'est pas si bien que ça. Et les jaloux diront fake. Alors, on a tiré le câble là. Alors, il se le fait passer par là. Par là, ok. Ah ok, il fallait virer la souris là. Ok, je vais faire ça, la souris. Par là. On va y remettre la souris histoire de bloquer quelque chose. La game Richard Gere. Ah du coup, est-ce qu'on dit Richard Gere? Richard Gere solide. Et du coup, sur cette... La deuxième lampe. Et par ici. Pum, pum. On va enlever ça, parce qu'on n'en a plus besoin. Et on va lui mettre la lampe comme ça. Et, oh, je vous montre pas le mode d'emploi, mais c'est plutôt complet. C'est plutôt complet, ça montre étape par étape qu'il faut que je fasse courir le fil là et que je remette madame à sa place. Alors ce que j'aimais bien sur ce set Lego, c'est que autant c'est pas le plus fun à monter, parce que c'est beaucoup de gris, beaucoup de comment dire, beaucoup de, enfin c'est des murs quoi, c'est un bureau, mais il y a énormément de détails. Attention, regardez là, il y a des shurikens dans le bureau de Dwight, il y a plein de petites conneries comme ça, et c'est assez fun. Et on va remettre Dwight là. Tu fais quoi là? Ok. On va enrouler ça comme ça. Alors. On le encore un petit peu. Je vais mettre là. Oh là 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 là. Est-ce que tu vas te mettre en place toi? On va y mettre un petit peu de mou. Non. Attends. Pas de là toi. On va te fermer. Alors certains malades mettraient de la colle, hein. Surtout pas. Enfin, bah moi, non, Dwight, tu me mets pas à la place de l'autre. Donc je préfère que ça soit un poil plus dégueulasse, mais que ça reste amovible. Voilà. Ok, on va mettre Dwight à la place. Ah ça, à sa place, pardon. Bon, je te vois pas faire le chat là. Ok. Ok, alors... Oui, vous l'avez vu. Ça va, hein, t'es tranquille? T'es tranquille? Et voilà. Donc, qu'est-ce que vous avez prévu de beau ce week-end, les copains?
que vous avez prévu de beau? Ça va être un week-end assez détente. On se retrouvera bien sûr donc pour le programme, on se retrouvera dimanche pour du rétro. Peut-être un peu de Zelda. Une IA cover générique de FR Dragon Ball Z avec Johnny Hallyday. Oh là là, mais alors moi récemment j'ai entendu une cover de Green Day par Sinatra. Basket Case de Green Day par Sinatra. Ah, fous la paix à ce câble. Alors, ils nous disent enlever. Ok, d'enlever. Tout. Non, mais fous la paix au câble. Allez, c'est bon. C'est chiante là, le chat. Donc, d'enlever la dernière partie du plafond. Enfin, du mur. Voilà. Du live du FF16 de la piscine. S'il fait beau, je te conseille. T'as raison, moi là j'ai chaud. Toi tu bosses ce week-end. Désolé, John. Tu m'envoies navré de l'entendre. Aïe aïe aïe. Alors j'ai pas de vacances cet été. Heureusement, vous êtes mon échappatoire. Les prochaines vacances seront, je pense, au mois d'octobre. Et après, je partirai quelques jours à Noël. Oula, tout qui parle. Titre. Dans tout le mois prochain, pas jour de repos. Ouch. Fait mal ça. Ok, alors on a enlevé, comme ils ont dit, j'en ai enlevé un peu trop, on va en remettre. Comme ça, on va remettre celui-là parce que ça c'était pas nécessaire. On va prendre ce fil-là, pardon madame. Qu'elle kiffe là, c'est ces petits croisillons. Ça. Ça adore ça. Les chats, ils ont les. Ça et les Sarflex, mais elle avait une obsession pour ça, mais c'est dingue. Elle vient me fouiller dans les tiroirs pour essayer de me piquer mes Sarflex. On va t'aider à prendre le livre. C'est déjà ça. Alors, on va dérouler. On va dérouler du câble. Ok. Il faut quand même un peu de scotch. Non. Ok, c'est quand même scotché. Bon, c'est une double face, c'est pas si pire. Alors on va le scotcher. Ici. Il fait 1, il fait 2 et 2. Comme ça, 2 et 2. Alors, je pense qu'il faut avoir 3 mains pour faire ça correctement. Ah, c'est bon. J'ai été mauvaise langue. Donc après, je fais la main gauche parce que j'ai le chat qui est dans le clavier. Alors 50, j'oublie un truc, 48, ok, 49, ok, donc il va jusque là, et après il tire le câble
jusqu'ici. On va pousser le mieux. Ok, et là, il fait 2. Et il me dit de remettre. Non, il dit de le coller. Ok, il faut le coller là. On va le coller d'abord avant de caler le câble. Alors. Toute ma concentration. On est à son instant. Voilà. Décoller. Alors bien sûr, on fera une démonstration après. Hein. Et comment ça se passe tes lives, Jonas? C'est un petit moment que je t'ai pas vu en live. Pouette. Ok, alors attends, on va remettre faire à mesure. On va faire comme ça. On va remettre. Ok. Et alors là, il fait passer tout au long. Oh là 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 là. Bon, genre comme un vieux. Oh là 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 là. Non mais c'est pas possible ça. C'est parce que Jonah est là et je fais une progeria accélérée avec Jonah. Ok. On va tirer ça. Il y a la polish qui passe. Alors, tu vois que je suis là. Tire un poil. Viens voir papa, toi. Allez. Ok. Alors. On va cacher au maximum les câbles. Hein. D'ailleurs, attends. Ça qui vient là. Cache un peu les câbles. Alors, ça c'est posé. Là on est posé. Ensuite, le câble il repart par là. On va éclairer le bureau de Michael. Merde, je vais ouvrir celui-là. J'espère que je vais pas tout péter. Allez, passe. Allez, passe. Voilà. Et la lumière va. Ok, va au centre, on va pas s'emmerder. Et en, pourquoi ? Alors, au début, je voulais pas. Je voulais pas mettre de lumière parce que je l'avais fait sur les frames, ce qui c'était très bien. Mais les frames c'était l'excuse que c'était des plateaux de série. Et donc il y a des éclairages externes.
Or, oh, c'était cool, hein, mais je voulais pas le faire sur The Office, parce que The Office part du postulat que c'est juste un bureau. En tout cas, le set est pas monté comme un studio, comme un. Comme un studio. Faut la paix au câble, le chat, je t'ai dit. C'est que des petits. Okay. Ça va être comme celui-là, ça va être un 3. Et tout ça pour dire que voilà. Le problème, c'est que. Sur l'étagère, ça, il est un peu, obscurci. Donc c'était un peu dommage. Alors, écoute, pour qu'il se sente un peu moins seul, j'ai décidé de passer le pas et de lui mettre également un kit de LED. Alors, il va là, là. Il fait deux comme ça et deux comme ça. Ok, on va y arriver, hein. Avec la musique de Donkey Kong, ça ne peut que fonctionner, voilà. Ok. Et là, pareil, il va un comme ça. En général, c'est deux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va le fermer. On va le poser comme ça, il va verrouiller. Ça va m'aider à poser celui-là. Pas se laisser faire, hein. Ouais, pour l'instant j'ai pas d'automatisation, je les allume un par un quand je veux les allumer. Mis à part la Lecto One qui vous est derrière, qui est allumée via une télécommande, les autres sont allumés. J'ai l'interrupteur derrière et je les allume à l'ancienne. J'y songerai peut-être plus tard. D'ailleurs, Lecto One, elle est. Tu vas où, toi? Elle est où, toi? Enfin, je regarde. Lectoman, elle est branchée sur le secteur. Je l'ai branchée sur un transfo téléphone. Donc elle est directement branchée sur le secteur. Et les autres sont branchés sur pile. Ça pourrait carrément marcher. C'est de l'USB, hein, donc tant que vous avez du 5 volts, là vous avez été un transfo avec des piles, mais tu le branches sur une batterie de téléphone ou je dis sur un chargeur de téléphone sur une prise murale, ça fonctionne complètement. Donc si tu veux, tu peux complètement le mettre avec un éclairage intelligent. Oui. Alors, donc. Allez, j'ai encore deux, et puis on est bon. Alors, hop. Donc on enlève celui-là.
Et si on veut pas quoi? Je savais pas qu'il y avait un choix. Je savais pas que le choix était possible. Alors cette musique, il y a une remix sur, sur internet qui est juste, énorme. Non mais je dis, t'as pas le choix. Oh, oh là là, les yeux. Bon, on va faire comme ça. On va dire que c'est comme ça parce que blanc sur blanc, comment te dire que j'y vois que d'elle. Gentiment, on va poser ça. Et le la dernière lampe, elle va ouf. Ah, il montre avec son doigt quoi là? Ok, elle va juste à côté du no smoking. Alors, par contre, il y a ces deux câbles. Il fait comment là? Il tire quoi comme câble? Ah, il enlève tout. Moi, je dis, tu dois avoir foi ce que tu dois avoir foi en ce que tu es, toi. Ouais. J'ai foi. Hop là. Hop là, hop. Donc on va mettre le dernier. J'étais pas le ou c'est moi qui ai rêvé? Moi qui ai rêvé. Alors, hop. On va mettre le dernier. Juste ici. On est sur là sur un kit à 10 balles. Hein. C'est pas le kit le plus onéreux des éclairages Lego. Alors, c'est aussi basique. Hein. Vous pouvez le voir, c'est pas le plus sophistiqué. Mais bon, justement, il n'y a pas besoin. C'est pas comme le kit. Voilà, derrière le kit Ecto One. Encore là, je l'ai mis en fixe, mais je contrôle avec la télécommande et je peux allumer ce que je veux. Ça marche. Allez, Kiki. Voilà. Voilà, je peux le passer en clignotant. Je me suis même fait... Est-ce que c'est une télécommande toute basique, là, qui se pète la gueule. Et je me suis fait la petite étiquette pour savoir ce que c'est. J'ai acheté une petite étiqueteuse. Non, j'ai pas la ref. Les malheurs de sophistiqué. Je suis acheté une petite étiqueteuse. C'est le plaisir de Daron. Là. J'ai acheté une petite étiqueteuse Bluetooth. Et c'est quand même pratique pour étiqueter les trucs. Ok. Je crois qu'on a fait le tour, qu'on a tout mis en place. On va pouvoir... lancer un test. On va lancer un test. On va brancher ça. Et là... Oh, j'ai fait brancher. On allume. Et ça fonctionne. Ça fonctionne bien. Attends, même... Ça fonctionne super bien. Alors on va faire un petit où est-ce que j'ai mis la webcam. Hop. C'est la pique de Dragon Ball ça.
Alors, on a la webcam qui est là. Alors, rassurez-vous, avec les piles qui baissent, ça descend. Mais alors, on va voir du dessus et puis on va faire un petit walkthrough avec la webcam qui se trouvait ici. Puis voir. C'est pas versé. Pas mal. Mais donc on a tout l'intérieur et ça franchement ça marche bien quoi. Ça marche bien, ça éclaire bien, ça donne je trouve du relief au bâtiment. Les câbles, à part les deux lampes là, c'est pas très visible. On a l'épisode où il fout le feu, qu'on a le feu là. On a la salle de pause. Attendez, j'ai le câble qui. On a la salle de pause qui est éclairée un peu mais pas trop. C'est plutôt chouette. C'est une réplique de Dragon Ball Evolution. Ah, mais tu m'étonnes. Je l'ai vu une fois en DivX quand il est sorti et je me remets toujours pas. Mais et franchement c'est plutôt cool. Par contre, faudrait juste que je comprenne. Qu'est-ce que c'est ça? J'ai deux trucs, je sais plus où ça va. On va remettre les personnages. Ah, je sais, c'est Ushii. Je sais, c'est le chili de Kevin. Ok, pas peur. Kevin et son Kevin. Hop. Kevin a son petit chili. Hop, hop. On va mettre là. Bon, du coup, ça, c'est durable. On va le mettre avec avec la batterie. Alors, elles sont bien, ces batteries-là. Je trouve qu'ils ont été malins. Alors, même si, pour le coup, ça sert à rien, parce que j'ai pas d'endroit sur les bâtiments à les mettre. Mais, vous voyez, elles ont des petits trucs pour les éclipser. Donc, on peut facilement les éclipser sur un truc, sur un véhicule ou quoi. Toi, quand t'étais petit... Ouais, mais en même temps, t'étais petit quand il est sorti. Moi, quand le film est sorti, j'étais... Déjà au lycée, je crois. On va remettre Jim qui... Regarde, on va lui tourner la tête pour qu'il mate Pam. Putain, il veut pas tourner la tête. Le petit Jim, il est mignon, petit Jim. Hop. Ok. Oscar. C'était Oscar qui est là. Il va pas là, normalement. Oscar, c'est Kevin qui est plutôt là. Oscar, on va le mettre. Hop, je sais pas. On va le mettre là. Il est trop perso. Il y a beaucoup trop de persos. C'est un espace trop réduit pour trop de persos. J'avais 24 ans. J'avais 24 ans. Ah. Mais oui, j'étais au lycée. J'étais certainement au lycée. Ah putain, j'ai tellement mal. Ouais, j'ai tellement mal. Bon. J'ai 24 ans. Ah, j'ai mal à mon bras gauche. Ça sent la cendre. Je crois que je vais faire malaise. Si t'étais au lycée. 2009, non. Ouais, en effet, je sortais de BT. Ouais, j'étais en licence. Regardez, en parlant de caméra et de Sonic, le petit set Sonic qu'on est fait ensemble, il trône sur mon bureau. Je me suis bien amusé à faire passer les câbles du clavier dans le looping.
Alors ouais, comme vous vous en rendez compte, j'ai une très très bonne notion des dates et du temps qui passe. Alors, cachez la cam. Et donc, hop, ça change quand même. Hein. Oui, j'allais en scooter au collège, en 6ème. Allez, on va poser ça à côté. Il y a mes pieds trop courts. Ma tête. Allez, pose ça de côté. Et c'est normal, c'est l'âge. Je me fais vieux, j'oublie. Bon, pour ceux qui n'étaient pas là, je vais vous montrer rapidement à l'Est 3. Comme je disais, pour ceux qui sont possesseurs de Game Gear. Parce que oui, il faut dire Game Gear. C'est pas moi, c'est la pub télé française qui le disait. Il est sorti. Il est sorti, en fait, il est sorti sur Game Gear Micro, je crois, si je dis pas de bêtises. Une. Ah oui, ça écoute complètement la musique de Sonic Racing que je trouve dense à fond. Donc, la ROM était protégée, des gens ont réussi à contourner la ROM. Donc, pour les possesseurs de Game Gear qui ont un Everdrive, vous pouvez lancer. On va sur le point. On va faire. Hop. Et on se retrouve avec un petit shoot 'em up. Alors, ce que je vais faire, attendez, c'est... Est-ce que je peux faire un reset? Non. On va redémarrer. La barre bleue qui vient de te trigger en bas, c'est la barre de... C'est là. Là. C'est la barre d'avancement de la musique. Mais... C'est la barre d'avancement de la musique. Si tu veux, je peux... Ah non, c'est pas ça. Elle est où? Derrière la masquer. Si ça te dérange, on va la masquer. Oui, le chat. Elle est sur la borne derrière. Regardez-moi cette beauté sur Game Gear. Donc on sort vite fait le premier stage. C'est un shoot 'em up très 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 sympa. Et alors il a quelques petites latences, donc ce qu'il a été fait pour être sur Game Gear mais sur émulateur. Donc il y a certaines limitations techniques et donc quand il y a trop de sprites, il ramouille un peu. Mais c'est pas ça n'est pas injouable. Et il est très généreux en power up. Game Gear, on donne partout. Hop. Et il est quand même franchement super joli, il est très coloré et tout. Et c'est cool d'avoir un nouveau jeu à mettre sur Game Gear, à se mettre sous les dents quoi. Sous les dents. Sous la dent. C'est ton club. Je savais pas que t'avais le droit des actions. Hop. Et ça tire dans tous les sens. Alors, c'est au moins le premier boss. Ne faites pas de crise d'épilepsie, hein. Ah oui, en effet, GG pour l'abonnement. Ah ouais, et là ça ralentit un poil. Mais du coup c'est pas grave, ça le rend le jeu plus jouable, enfin ça le rend le jeu plus facile.
Ben ça, je l'ai mis, le C, c'est la tête chercheuse. Cameron. On va rester avec ça. Un petit power up. Le premier boss, il est pas difficile, mais il est ultra classe. Le méga gros mecha. On va pas tarder à y arriver. On est tous sur Bordeaux. Hein. Hop, hop, hop. On lui éclate la gueule. Comment dire, est-ce que c'est internet qui m'a redirigé vers moi parce que vous étiez de Bordeaux ou est-ce que c'est la beauté du cœur ou l'alcool? Et le deuxième ça, je commence, c'est très joli, regardez-moi, c'est hop, tenez, ces petits décors de forêt et tout, c'est chouette quoi. Et voilà. Donc ça c'est bien cool pour mettre dans la poche. Donc si on se mettait à bricoler la manette maintenant, on va se remettre un peu de lumière. Vu qu'il est 5h40, je pense qu'on peut se le faire. C'est un Toulonnais, oui c'est un Toulonnais. Oui. Parce que j'ai fui Toulon, je suis comme Mowgli, j'ai fui. Allez, dans le salon. Je reviens, écoutez, je vais faire une petite pause pipi et je reviens avec la manette pour la modifier. J'arrive de suite. Voilà, donc on est sur cette belle manette Eibido qui fait du très bon boulot avec couleur Game Boy, une bonne prise en main. Mais malheureusement, voilà, comme vous pouvez le voir, il y a ce stick là, comme je joue de façon très délicate, qui a fini par rendre là. Mais bon, après, ça fait 4 ou 5 ans que je l'ai, hein, donc bon, elle fait son truc quoi. Et j'ai acheté donc sur la boutique d'Eibido officielle, mais sur AliExpress. J'ai acheté des sticks, ils sont en rupture de stock malheureusement sur les sticks de cette couleur là, mais elles sont un peu plus foncées, ça fera le taf. J'aurais dû voir s'il n'y avait pas des boutons pause comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va démonter la manette et changer les sticks. Je suis désolé, je fais pipi rapidement. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va hop démonter ça. Là, on a la batterie. Est-ce qu'on a une pile par là? Est-ce qu'on a une pile? Est-ce qu'on a une vis?
pas l'impression. Bon. Alors. Donc disons que tu veux pas dire où t'habites, mais on sait que c'est le 32 de la rue Jean Ferry, quoi. Alors celle-là est trop grosse. Alors, hop. Ok, hop, tournevis. Mais tu fais bien. Tu fais. Ah écoute, j'ai assez halluciné cette semaine ou la semaine dernière. 33 terres, ouais, c'est ça. Semaine dernière, j'allais au sport et garé dans la salle de sport, il y avait une voiture. Et la madame, parce que je pense que c'est une madame, a mis son Instagram déjà. Elle a mis son OnlyFans en autocollant sur sa bagnole, en gros, sur son pare-brise arrière. OnlyFans, hashtag, enfin, slash Jean Micheline, je ne sais plus comment c'était. Et, comment dire, oh, elle fait ce qu'elle veut, j'en fous, tu vois. Mais c'est juste que, enfin, je trouve ça dangereux, parce que les gens, bah là, ils ont un moyen de la repérer. Et, bah, on sait que l'Internet est... regorge de personnes sympathiques et équilibrées. Et je sais pas, moi je leur donnerai pas l'occasion. Et j'ai toujours l'histoire de d'une idole jap qui s'est fait tuer parce que un taré a retrouvé son adresse. Grâce au reflet, à un reflet dans, genre dans une lunette ou dans un œil, quoi. Non, c'est pas que du porn, c'est du hot tub aussi. Non, je sais que c'est pas que du porn, mais de base, je, en plus en étant une femme, je trouve que tu attires plus de personnes déséquilibrées. Moi j'éviterais de donner mon adresse à des gens, de leur dire où j'habite, quoi. Oui, je l'appelle Jean Micheline. Ok. Alors. J'ai des trucs pour... faire levier. Là je vois que deux vis, j'ai pas l'impression. Ah, attendez, je vais voir s'il n'y a pas une petite vidéo sur internet qui montre un peu comment. C'est une SN30 Pro. C'est pour ça que vous êtes là, oui. Alors YouTube. Moi, dans 20 minutes, je sors le jacuzzi. Hein. J'en ai équilibré. T'as des problèmes d'oreille interne ? Ok. À toutes. Je veux sortir. Alors. Scène. 30. Pro. Assembly. Petite, je vois que j'oublie pas une vis. Alors. Ouais, donc il enlève les gâchettes aussi, on est bon. Vis de là. Ah. En effet, il y a deux vis cachées là.
Est-ce que j'ai pas une pince? Con, j'en ai une juste là. Ok. Je savais qu'il y avait une entourloupe. Ça ne pouvait pas se produire si facilement. Ok. Alors c'est bien parce que ça a l'air d'être toutes les mêmes vis. Ok. Allez, on enlève. Allez, viens toi. Oh là. Ah, c'est un poil plus court, j'ai l'impression. Non, c'est même. On va pousser un peu. Ok. Alors. Je pense que ça va être un peu plus facile. Ouais. Bon, j'avais la technique de la carte bleue pour l'ouvrir. Mais je pense que je vais pas en avoir besoin. Et d'un côté. Allez, cette affaire. Ok. Alors. Carte bleue. Alors, vous rassurez-vous, elle est KO. Hein. Un truc. Allez, là, les vis. GG. GG, GG. Alors ce côté là c'est ok, ce côté là c'est ok. C'est le milieu qui m'embête. Ah ça y est. Et... physique hein. Ok, je l'ai eu. On va y aller tout doux parce que hop, ça s'est rattaché par là. Et ben ce stick là il est déjà parti. Lui est un peu plus récalcitrant. On va remplacer ça. Bon, vous pouvez voir l'intérieur de la manette. Mais il y a jamais un petit cœur. Ça, j'ai pas tout flingué.
Allez, on va sortir le stick. Ils ont même un petit... Ah non, c'est les mêmes. C'est vraiment les mêmes, mais c'est juste qu'ils sont un peu plus foncés. Ok. Ok. Et voilà, on remet en place. On n'oublie pas de remettre le L et le R. Et le R. Et oh le R. Manque pas d'air. Bah si, je manque d'air du coup. Ah bah il est resté à sa place. Ok. Ok. Alors on met les listes. C'était beaucoup plus rapide que ce que je pensais. Un gros big up à Ibido d'avoir fait une manette pas trop chiante à réparer. J'en suis plutôt content, hein. J'en ai deux des manettes Ibido. J'ai celle-là et j'ai la... j'ai l'autre, mais je vais vous montrer. Alors j'aurais aimé... j'ai celle-là. Plutôt cool aussi, couleur Famicom, je trouve chouette, elle s'éclaire en plus sur tous les côtés. Et je l'aime bien aussi pour jouer au jeu rétro. Ouais, j'aurais juste, bon à la limite, pas si pire l'étiquette qu'il faut décoller, mais j'aurais préféré éviter. Mais en soi, ça c'est plutôt bien. On va remettre ces listes là, on va remettre la batterie. Ok. Ça va bon, elle s'allume. Les sticks sont là. Ok. J'ai pas tout cassé. J'ai pas tout cassé, tout va bien. Alors, ça. Ça c'est ce clip, ça. Et on lui remet le petit couvercle. Alors oui, bah du coup les sticks sont un peu plus foncés, mais c'est pas non plus pas la mer à boire. Et surtout, vous démontez, vous remontez la manette avec avec 4 vis, et ça c'est pas... Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal du tout, ça c'est cool. Ça c'est cool. Allez. Alors par contre, je vous déconseille de l'acheter directement sur la manette, les pièces détachées, je vous déconseille de les prendre directement sur la... Sur la boutique Ibido, mais les prendre directement sur AliExpress. C'est con parce que c'est la boutique officielle, mais les frais de port sont moins chers sur AliExpress. Je crois que là j'en ai eu pour je sais pas, j'en avais pour 5 balles pour les deux sticks. Et est-ce que je voulais être sûr que ça soit les mêmes. J'aurais pu prendre des copies ou tout comme ça, mais là je voulais être sûr que ce soit les mêmes, parce que voilà, je veux pas emmerder, parce que j'ai eu des mauvaises surprises avec des sticks Xbox. Et comment dire, et je crois que via la boutique Ibido, et ben il y avait 8, alors je crois que c'était 8$, 8$ les sticks, et il y avait 8$ de frais de port, alors que sur AliExpress il n'y avait pas de frais de port du tout. Et c'est le même vendeur, c'est la boutique officielle Ibido. Donc puis bon, je vais pas m'emmerder, hein. Ranger ça là. Non, on va ranger dans le tiroir sa place.
Et ben voilà. Donc, alors, je vais replier ça. C'est plié. Une petite kit. Hop. Un petit kit de bricolage. Ok. Et ben voilà, on peut ranger la carte bleue. Ouf. Ça range. Ça, on jette rien, on va les garder, on sait jamais. Ça pourrait toujours dépanner un jour. Si jamais je me perds une manette dépareillée. Hop, c'est rangé. Ok, bah c'est reparti. C'est parti pour des heures de Zelda à m'énerver sur les sticks. Maintenant que j'arrive à buter les Lynel et autres griottes, on est pas trop mal. On va ranger ça comme ça. Et on va se mettre sur, hop, on va se mettre sur la cam. Et hop, avec le chat qui pionce sur la borne. Elle pionce pas. Dans mon char. Nous observe. Elle est posée. Et voilà pourquoi je voulais désactiver les boutons en surface lorsque la borne est allumée. Parce que madame aime bien se poser et lancer des jeux semblerait avec ses fesses. Donc voilà. Écoutez, on est pas trop mal là. On n'est pas trop mal. Est-ce qu'on se lancerait pas vite fait sur un petit Recalbox pour lancer un petit jeu d'arcade? Allez, soyons fous. On va allumer le boîtier. Alors, il faut juste que... Attendez. Il faut que j'aille dans... Changer la caméra, j'avais inversé les deux téléphones pour que ça fonctionnait. C'est vrai que ça donne un côté un peu plus brumeux, c'est bizarre. C'est étrange. Ah, il est beau. Hop, c'est mieux là, non? C'est mieux là. Alors, pou, toi je te branche. Je te branche à l'endroit, c'est mieux. Je te branche également. Je te branche avec le disque dur. C'est mieux là, non, au niveau de l'écho. T'es branché. Oh. Lui. Ok. Alors, est-ce que ça va démarrer? Ça a l'air de choper un signal. Ça chope un signal. En plus, hein, il me lance un signal arcade. Je vois que ma caméra est un poil trop haut. Fond des grattants de fond. Hop là. Et Rejasan.
attention pour la crise d'épilepsie. Donc à mettre ses branches, voilà. Et bon, c'est bon, on est lancé. On est parti. Et alors, en vue de se lancer éventuellement sur de la Neo Geo Pocket Color, on pourrait se lancer, ou alors on se fait des jeux d'arcade un peu chelous. Parce qu'en Neo Geo Pocket Color, il y a pas beaucoup de jeux. C'est pas une console qui a eu énormément de jeux, mais... T'es parti de raser ? Mais t'as 14 ans, tu traces pas toi encore ? Alors... Alors c'est ça. Et il y a quelques petits jeux très sympas, notamment en... C'est quoi ça ? Ça va être un petit jeu de plateforme, on va le tester. La musique. Digimon Frontier. C'est du Dims. Tu pas mal quand même. Voilà, au niveau de... C'est rigolo, c'est... Les boutons sont positionnés bizarrement. Le montage de la vidéo de quoi ? Ok, bon. Ça a pas l'air de... Ah mais aussi de là, ok, c'est le Wonderswan Color, ok, parce que... On va plutôt passer sur de la Neo Geo Pocket. Des fois les Wonderswan avaient la particularité de se jouer comme ça ou un tâté, donc les boutons selon, c'était pas toujours très, très bien configuré. On a dit Neo Geo Pocket. Oui, de Windjammer, d'accord. Voilà, Neo Geo Pocket. On dit Cotton, ça. C'est un petit shoot bien, bien classique. Success. Ça n'a pas été le cas de la console, malheureusement. Très très bonne version sur Saturn, Cotton. Regardez ça. Beau ça pour une petite console portable. Bon, malheureusement, elle est sortie un peu juste après la DS. Et compatible avec la Dreamcast. Pas que tu fais une séquence d'une heure. Hein. Oups là. Oups, je suis mouru. Il n'y a pas d'autofire. C'est quand même super joli, ça c'est tout coloré et tout. Ok. Ah, je vais un peu lire un truc. C'est mignon quand même. Bon, on peut se dire que ça tenait dans les mains, quoi. C'est pas sûr forcément à jouer sur un gros écran, quoi, mais. Faut me la paix, le caillou. Ou une boulette de viande, je sais pas. C'est des boulettes Ikea. Tiens, meurs, boulette de reine. Ok, c'est pareil. Tout ça pour ça. Attaqué par des globes oculaires. Alors. Ah bah bien sûr. Bien sûr, je compte sur toi pour respecter le 360. Non, faut pas déconner, non. Bon, l'avantage c'est que c'est des plans fixes, donc tu peux pas déroger au 360. Oh que si.
tu serais assez fort pour déroger. Oula. Ah. J'étais trop précipité. Ah. Ah bah décidément. Ah. Ah mais sérieusement là les gars. Ouais je l'ai créé. Et comment j'ai vu ça? Comment j'ai vu ça? Ouais il est tout rouge. Ah, en faisant des pignons, en vrai. Oui, tu peux, ok, ouais. Bon, je vais choisir quelque chose d'autre. Allez, Capcom SNK était très réputé sur... Fatal Fury. Et Capcom SNK était très réputé sur... sur Neo Geo Pocket. Là, on a forcément on a du Metal Slug... Puyo Puyo, ça c'est mieux, s'il n'y a pas mieux pour jouer aux toilettes. On a du Rockman. Putain, je le connais pas le Rockman. Rockman Battle and Fighters. Ok. Ben, ça dépend, ça dépend. Tu vois, je l'ai passé à gauche, elle était à droite avant. C'est un jeu de baston ou quoi? Que tu me paies? Oui, MP moi. C'est un jeu de baston? Vous êtes sérieux? Je fais un jeu de baston Rockman? Allez, crève. Ah. Tout ça, c'était de la stratégie et du savoir jouer, tu vois. C'est vraiment de la technique. Du savoir-faire. Du PGM. Bon, jeu de baston, c'est un peu dommage. Oui, Samurai Showdown. Ah, c'est ça, du Capcom SNK. Ah, ça, c'est ça. Alors oui, c'est pas de la Neo Geo, hein, c'est pas de la... C'est pas de la, comment dire, c'est pas de la Rolls-Royce, mais bon... Faut pas oublier quoi, c'est une console puissante qu'une... Game Boy Color. Puis tu vois ça sur ton écran, t'étais content quoi. Hop. Allez, tournez. Et puis, la Neo Geo Pocket Color avait le, elle pouvait te faire l'horoscope. Et ça, ça n'a pas de prix. T'as à prendre Aomaru. Contre Dan. Elle a tellement pas marché chez nous, cette console. Elle est sortie vraiment pas au bon moment. Ouais, alors deux boutons, hein. Pas vraiment de digit. Mais... Tiens. Mais les décors sont pas dégueulasses, hein. Les décors sont pas vilains. Loupé. Ouah non.
Et on a des hommages à des vrais... à des vrais stages, à des vrais moments du Japon. Oh là, je vais pas me faire friter par Dan quand même. Calmer. Oh non, sérieux, le mec il me contre ça. On devrait pas se faire friter par Dan, sérieusement, c'est un personnage... Ça, c'est Steven Seagal de Capcom, quoi. Contre Iori. Ils ont un petit nez rouge, c'est mignon. Ouais, c'est beaucoup moins mignon. Ça, c'est un bon combat. Ouais. On vérifie. Ça fonctionne bien. Tiens, vas-y, prends ça. Ah, ça reste limité niveau gameplay parce qu'avec deux boutons bon, on fait vite le tour quoi, mais c'est toujours mieux que Street Fighter Alpha sur Game Boy. Je sais pas si vous en rappelez de celui-là, Street Fighter Alpha sur Game Boy. Hein, vous l'avez pas oublié? Je peux vous montrer hein, si vous voulez. Et regarde. Game Boy. Game Boy. Alors mon écran est pas bien placé hein. Alors Street Fighter 2, ouais, Street Fighter 2. Moi est-ce que ça soit sur hop, Game Boy Color peut-être, ouais, Game Boy Color. Alors... Allez, Street Fighter Alpha. Street Fighter Alpha sur Game Boy. Allez, live and learn. J'affiche qu'il se remet à déconner. Attention là, il y a la technologie. Virgin Interactive. Hein. Convertible par Crawfish Interactive, un studio mondialement connu. Allez, arcade mode. Il y a de la musique, hein. À fond la musique. Bon, ils ont remis Birdie. Salut le chat. Salut le chat, bonjour. Tu veux quelque chose? Ils ont mis Sodom, il y a Nash. Ouais, et prendre Ken. Alors, on se bat contre Guy. Bon, les animations sont là. C'est quand même hachement moins joli quoi. Les sprites sont minuscules par rapport au stage. Il n'y a pas de digit non plus. Les flammes. Pas trop demander à ce qu'il aime sortir à Dokken. Et bien voir sortir à Dokken. Hadoken, j'ai dit. Ah ouais, non, mais attends. Hop, sorti Hadoken.
Et en plus, c'est la musique de Ryu. Allez, roulade. Un petit chaos digital, il ferait. Non. Les mecs, ils ont deux couleurs. Avec le chat. Et tu bagues des cigales. Bah, sérieux, il a pas pris en plus. Tu sens que tu vas lâcher une furie là. Hein. Zéro impact dans les coups. On dirait les bruits, on dirait qu'ils ont tout fait les bruits avec une brosse. On dirait que les mecs sont en train de passer la brosse là. Winner, Ken. Allez, on va se faire Sodom. On va se faire Sodom. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le jeu. Et encore, tu vois, là, ça, c'est jouable à peu près, là, sur une Game Boy, mais alors c'était... Sans rétro-éclairage, rien, t'y vois rien, c'est pas possible, enfin... Tu sais, je l'ai... Là, le bruit de brosse, là. C'est ça, Mario Bros, en fait. Bruit de brosse. Ce jeu vous est sponsorisé par Monsieur Propre. Je lui ai rien enlevé comme vie en plus. Ah d'accord, et les hitbox elles sont dingues encore. On a eu Sodom. Sodom Hussein. Oui, alors c'est bien de l'afficher parce que j'étais pas sûr, tu vois. C'est tellement pixelisé que j'étais pas sûr. Ah, ils ont remis le chat. Ça bouge dans le décor. Regardez-moi la gueule qu'a Ken dans le portrait. Il a soit une méga ombre sur la gueule, soit un œil noir. Ouais. Je n'ai jamais aussi joué aussi bien Street Fighter. Toi, tu m'as piqué un truc, le chat. Tu t'es barré, tu m'as piqué un truc, non? Ah ben. Mais en plus, je lui ai enlevé une furie dans la bouche, je lui ai enlevé. Bon, ça va, pas pris. Oh, c'était 40. Pff, j'ai l'impression d'en faire. J'ai l'impression que ça fait 10 ans que je joue au jeu. Il a pas pris, il s'est défendu sérieusement. Oh, les musiques, c'est une catastrophe. Mmh.
J'ai gagné. J'en ai mal au pouce. Pierre, tu t'en dis avec ce jeu. Ah, ils avaient mis rose. Après, bon, pour enlever, c'est compliqué, hein. Franchement, c'est un beau challenge. Je dirais, allez, j'adapte Street Fighter Alpha sur Game Boy. Après, c'est pas de leur faute, aux mecs, hein. Ils ont fait du boulot. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, je pense, hein, les mecs de chez Omar Corporation. Attends. Alors, si je devais citer. Alors attends, si je devais citer une série des années 80-90 avec des épisodes de 30 minutes max, je citerais Parker Lewis. D'ailleurs, si tu veux, j'ai toutes les saisons. Parce que j'ai les DVD. Et je les ai ripés. Moi. Parker Lewis est tellement bon, c'est une... Attends, on va passer. C'était cadeau. Mais Parker Lewis, c'est une lettre d'amour. Pourquoi? Parce que c'est adapté. C'est. Alors, je sais pas si tu le savais, mais Parker Lewis, c'est à la base. Ça devait être un spin-off de Ferris Bueller. Je te prends les. Ouais, pas de soucis. On va en off, je te vois, pour te mettre ça sur un drive. Parker Lewis, ça devait être un spin-off de La folle journée de Ferris Bueller. Je sais pas si tu connais ce film-là, qui est un très très bon film avec Matthew Broderick. Et c'est le même type de personnage, tu sais, un peu espiègle, aimé de tous, un peu glandeur. Ils sont séparés pour faire un autre personnage. Il y a quelques éléments qui sont très très drôles sur Parker Lewis. Déjà, je trouve que la VF est meilleure que la VO. Point barre. Notamment pour celle de Lemur. Lemur est juste parfait en VF. En plus, on dirait Cyril Drevet, Lemur. La proviseur joue dans Code Lisa, je crois. Joue la mère dans Code Lisa ou dans Jumanji, je sais plus. J'ai loupé un message. T'as jamais l'occasion? Ok. Il y a vraiment de bonnes refs. La saison 3 est un peu meilleure. Un peu meilleure. Un peu moins bonne. La saison 3 est un peu moins bonne. Il y a 3 saisons. En plus, ça se passe plutôt rapidement. Mais la saison 1, saison 2, c'est du caviar. C'est vraiment, vraiment génial à mater. Alors, franchement, Parker Lewis, vraiment, vraiment très cool. La petite sœur de Parker Lewis joue dans le premier Retour vers le futur. Elle a un tout petit personnage. Elle joue la petite sœur de la maman de Michael J. Fox, qu'on voit donc après qu'il se fera renverser quand il dîne à table avec ce qui devrait être ses grands-parents. C'est très, très. Franchement, moi je dis juste c'est que c'est très, très bon. La proviseur. Non, c'est pas elle, c'est pas cette actrice-là. Il y a quelque chose dans le brushing, mais c'est pas elle. Mais non, ouais, franchement, non. Je te les envoie, franchement, faut que tu battes, parce que c'est juste parfait. Je confonds avec la mère de Parker. Ah oui, la mère de Parker, par contre, je crois que c'est elle. Et en plus, Parker Lewis a chez lui un DVD de Challenger dédicacé. Il m'a demandé de lui dédicacer. Je lui ai offert un DVD Challenger parce qu'on était ensemble sur une convention. Et il m'a demandé de lui dédicacer. Il est très très gentil. Corinne Mec est très très sympa. Et très très bonne série. Plein de références aux jeux vidéo. Je pense que tu vas kiffer. Moi, je te conseille celle-là. Alors, attends, on repasse sur le stream d'hier. On va sortir Street. Allez, on va se faire un dernier petit jeu. Et puis, je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Ah, tu l'as maté? Ok, pardon. Ouais, mais je pense que peut-être que si tu t'y reposes avec ton regard d'adulte, tu la verras peut-être différemment.
Qu'est-ce qu'on pourrait se faire? J'ai pris des trucs un peu what the fuck. Là, j'ai pris du Satellaview. Ou du Super Famicom Turbo. Ça, c'est un truc que j'aimerais bien me trouver sur la Super NES. Sacre. Et alors, très très anecdote, c'est que donc Marc Lesser qui fait la voix de Randall, mais qui fait aussi Trunks, Sangohan, Joey, qui a plutôt une bonne connaissance à moi, m'a raconté que à la fin de chaque épisode, il y a donc ça finit avec la musique et y a un plan sur les casiers et à la fin de chaque épisode donc t'entends Jerry qui fait enfermé dans le casier qui fait Monsieur Lewis, Monsieur Randall, vous êtes toujours là? Et cette réplique n'existe qu'en VF parce que c'est une impro pendant le doublage, la bobine tournait et le comédien qui jouait Jerry, qui joue la voix de Jerry, a improvisé sur un délire, a improvisé ça et ils l'ont gardé. Kubia qui devient secrétaire dans l'urgence, qui aussi est un chasseur dans George de la Jungle. Qui est au final le comédien qui a le mieux marché de la série, je crois. Je crois que Jerry est agent immobilier aujourd'hui. Donc ça, petit accessoire de Bandai qu'on mangeait sur la Super NES où vous mettez des cartouches dans la cartouche, une sorte de Super Game Boy. Et bon, vous voyez, il y a 8 jeux, mais c'est peut-être un truc sympa à choper, quoi. C'est vrai que Namek a quand même fait Stargate. Et surtout nous. Un petit puzzle game de Sailor Moon. Ah, le digit, on se croirait dans Ranma, dans le jeu Ranma sur Super NES. Alors Jean-Michel, tu vas nous faire du doublage de Sailor Moon. Mais bien, prends la serviette dans la bouche comme ça. Mais bien, on fonce jusqu'au fond. Boule du. Alors, comment ça marche? Comment ça marche? Ah. Oh ouais, je me suis fait poutrer. Ok, il faut que je gonfle les ballons. Ah, je suis mort. Ok. Ok, ce fut rapide. Ce fut très rapide. Merde. Ah mais arrête de me lâcher des méga attaques toi. Yeah. Moi aussi je peux faire des super attaques. Oh là. Ah mais sérieux? Sérieusement? Est-ce qu'il n'y a pas un petit jeu de plateforme là? Ça a l'air d'un jeu de plateforme ça. Et puis après on va se quitter là-dessus. Ah mais c'est des Turbo Rangers un truc comme ça. Ok, tu choisis ta force. Allez, force bleue. Et je crois qu'il est content. Ah, le design est plutôt cool, hein. Ah, des boutons. Ok, il n'y a qu'un bouton. Sauter, frapper. Et il me rote à la gueule. C'est dégueulasse. Et on pète des bagnoles. Ok, super attaque, un chopant en volant.
Il y a un dash. Ah. Ok, c'est un écran support. Oh putain. Ouais. Allez hop. Tu vas crever, oui. Attends, on va laisser cracher les flammes. Ok. Oh, tu sens que c'est pas, c'est moins, moins performant que, enfin que c'est pas des gros jeux Super NES quoi. Attends, tu pas. Ok, ils se sont suicidés. Suicide complet. Ah, ah, ah. Ah non, il fallait. Attention, je me fais attaquer par des roues. Tiens, Naruto, prends ça. Tiens, tu m'auras pas, Midas. La vidange, c'est pas pour moi. Je peux pas le prendre, ça, ça sert à rien. Ok. Bon, elle va mourir. Oh, sérieusement. Bon, je suis mouru. J'ai vu des petits poussins. Alors, est-ce que si je prends un autre personnage, on va prendre Force Pink, est-ce que ça fait quelque chose de différent? En tout cas, elle a la même. Même coup de poignet. Ok, elle met des. Elle met des calbots. Bon, déjà, au moins, ils auront changé les jits. Oh. Oh. Ah merde. Ok. C'est pas le meilleur jeu que j'ai fait sur, sur Super NES, hein. Allez. Ok. On est plus, ouais, on est vraiment sur un jeu limite portable. Ouh, le boss. Les musiques sont cool quand même. Oula. Ok. Et... Tu as crevé ? Ok. Bon, sur cette superbe victoire, nous allons... Ah, y a son masque qui bouge quand... Oh, c'est classe, ça. Caranger. Caranger toi aussi. Caranger ta chambre. Allez, juste tester le green. Wow. Ok, mais des patates aussi. Quoi, non? Hein? Et genre là, c'est un moteur. Ah mais... Je... me bouffe pas toutes mes... Ouais non. Ah. Refus de rejeter sa chambre, ok. Oula. Ok, je l'ai... En fait, tu le gardes jusqu'au... Tu le gardes jusqu'au truc... Mec, avec un pot comme ça, il pourrait faire du porn. Super Fist! Est-ce que Fist of the North Star existe en version porn?
Oh. Oh, attention, ils sont rouges. Ils sont rouges, ils tirent le bas. Ah, merde. Ok, ah, c'est cool, hein, parce que je crois que tu partes dans... Enfin, tu tombes pas, mais tu tombes dans le... Enfin, tu pars dans un sous-sol. Ça c'est pour les méchants. Ah, deuxième boss. En tout cas, ça s'avance plutôt rapidement. Aïe, aïe, il m'a embroché, il me bouffe. Il me bouffe le cul. C'est dégueulasse. On n'est pas présenté, premier rendez-vous, attends. Et on les deux barres à chaque fois. Attends, hop. Non! Non, non, j'ai bien bouffé. Allez, c'est bon, on va débuter. Ah! Hop là, où c'était? Ouais, je suis mort. Je suis mouru! Hop, hop! Mort un steak dans le genre vert, ouais. Ah, attends, on va tester le jaune de Damas. Est-ce qu'on commence directement au boss? On commence directement au boss. Ouais. Ah putain! Ah putain, tu peux pas, t'as pas le temps d'éviter. T'es sérieux, t'es au niveau. Voilà, là tu peux. Hop, oupla, j'ai du cul là. Putain. Il te chope direct. T'as même pas le temps de fuir, t'as pas de dash, t'as pas de dash. Ok. Ok, si tu te mets derrière. Ok. Je trouvais la technique. J'avais trouvé la technique. Et si tu te foutais au fond, il te touchait pas. Même technique, enfin même image. Toujours à carranger. Bon, allez, on s'arrête là. Écoutez, c'était bien cool. C'était bien cool de se faire cette petite session avec vous. Bah écoutez, en plus, il y a Yargol qui est sur du FF16. Donc, bah, ça dépaysera pas certains. Et puis, ça fera autre chose. Alors, attends, est-ce qu'il est toujours en live? Est-ce qu'il est pas en train d'arrêter? Je vais quand même vérifier. Hein. Et puis, on va aller raider chez Yargol. Faites un bisou à Yargol. Il a l'air d'être en train de jouer. Donc, ça a l'air d'être ok. Et alors, Argol 83, on va regarder pour lancer un raid. C'est pas ça. Argol 83. Et donc, dans 2 minutes, ça devrait raider chez le copain. Bon, c'était chouette de se retrouver. Donc, nous, on se retrouvera dimanche matin. Donc, 16h pour la France. Pour se faire du Zelda, je pense. Et puis, peut-être un peu d'arcade. On verra bien selon ce que notre humeur nous dit. Et je viens de me rendre compte que je suis en train de jouer à l'arrache comme ça sur la Recalbox et sans avoir sorti l'écran. Mais en tout cas, c'était très très cool de vous voir, les copains, de passer ce petit moment avec vous. Vous m'avez remonté le moral après cette journée bien pourrie, en plus avec genre la petite urgence à 5 minutes de me barrer, là, avec le boss qui m'appelle. Tu fais « c'est pas parti, hein. » Mais c'était bien cool. Quand est-ce que tu live, toi, Jonah? Tu vas faire un petit truc, là, ou là? Mais en tout cas, voilà, c'était bien chouette. Bien chouettos. Moi je vous fais des gros bisous.
on va se lancer le petit Action Man des familles comme d'habitude avant de se quitter, et puis on va s'arrêter là. Combien de temps? 19 secondes. Allez, on lance un cheval. Moi, quand j'ai envie de me reposer ou de décompresser, je fais de la varap ou alors de la marche, de la bicyclette. Ou bien je fais du karaté, du tai chi. J'améliore mes coups francs. Je fais du skateboard, du snowboard, du windsurf, du baseball ou bien du football. Je fais du piano, de la peinture. Je lis, j'écris, je compose. Je regarde des vidéos, des dessins animés ou des films d'action. Ou tout simplement les infos. La drogue peut te tuer. Et quand il existe autant d'activités dans la vie, pourquoi est-ce que je me droguerais? Pourquoi est-ce que tu te droguerais? Pourquoi est-ce que tu te droguerais? Allez, je vous fais des bisous. Bye les copains. Ciao!